Rien que le pont, le pont, le pont, tout ça c'est le pont. Rien que le pont de la poche de Jésus. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Le pont, rien que le pont. Godness. Le pont, tout ça c'est le pont. Oh, maman. Bonsoir le peuple camerounais, j'espère que vous allez bien. Mon petit, toi-même, en écoutant ce genre de musique, on peut se sentir bien. Vous n'avez pas remarqué que la musique camerounaise, c'est la comédie. La main, tu as remarqué? Chaman. Ah, et toi la main? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. C'est vrai quand même que ça concerne la jeune génération, hein. Parce que nos parents chantaient tellement bien. Je te dis que... C'est-à-dire que les Camerounais font le son qui ne peut marcher rien qu'au Cameroun. Comment ça? Bro, tu parles de quelle musique au juste? Des spaghettis, ouais. Quoi? Des spaghettis, mayonnaise, ouais. Mon frère, comment tu trouves cette chanson? Ça... C'est, en tout cas... On ne peut pas même parler ça. C'est vraiment dessoignant ça. Non, c'est dessoignant, je suis déçu. Des spaghettis, wana fine, y a des gens qui veulent maman. Papa, explique-nous un peu cette chanson. Grand frère Kossi, je t'aime beaucoup. Le rapport entre les deux spaghettis et les gens qui veulent ta mort, c'est quoi? Mon petit, réponds. Que t'es qui connaît? Ah, ok. Le père, tu peux avoir une idée de cette chanson? C'est de la sauvagerie. C'est ça, on vous dit aller à l'école. Non, mon frère, n'appelle pas encore. On va voir un peu si un autre artiste peut sauver l'honneur. On y va. Rien que le pont de la pocherie. Tout ça, c'est le pont de la pocherie. Vrai, vrai, on appelle ça quoi? J'ai dit que... Mais, mon frère, hey. Rien que le pont... Hey! Tu n'as pas... Oh, wow. Ah, dama, c'est toujours la musique comme ça? Le cas qui part, le cas qui part. Vous soulevez vos genoux. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Soulevez... Bon genou. Équilibre. Pour attaquer la colline. C'est pas possible. Petite colline, tu n'es rien. Ah? Dégage! Pour la main gauche, en avant. Le monde part en couille. Si, si. Catastrophe, Nebaluba. Même l'anglais qu'on parle, donc, c'est un anglais qu'on comprend rien qu'au Cameroun. Bon, on chante un peu. Moto du go. Moto du go. Hein, papa? Ah! Le père, tu entends ce que nos enfants chantent là? Vraiment, ça nous dépasse. On aussi là, on observe. Massa, moi, je suis dépassé. Maman? Puisque le gouvernement, on peut pas aussi réagir que, mais comment est-ce que... Quitte là! Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Pause publicitaire! Enseda est une nouvelle société spécialisée dans l'énergie renouvelable. Initiée par un jeune entrepreneur sorti de l'école polytechnique de Maroua. Promotion 2012. Donc, tous ceux-là qui sont dans le besoin d'installer les panneaux et des plaques solaires dans leurs entreprises ainsi que dans leur domicile, contactez la société Enseda. Enseda assure également le bon fonctionnement et l'entretien pour ceux qui ont déjà installé ces panneaux chez eux. Ce jeune entrepreneur a également besoin de votre soutien financier parce qu'il a un projet de fabrication de panneaux et lampes solaires made in Cameroun. Ah bon? Oui. La société Enseda est située à Yaoundé, quartier Ekié, immeuble Melo. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations et plus de détails. Moi, je me nomme Hilary Sten Lomovassa, entrepreneur, ingénieur, polytechnicien en énergie renouvelable. Ok. Tic, balance une essence de l'heure, mon frère. Oh, tu ris. Pourtant, tu as le chat. Aïe! Hey, hey! Pardon, je vais soulever mon congé. Maman, pendant que tu soulèves ton congé, on prend une petite pause musicale. Mon petit tic, on peut prendre alors quel artiste comme exemple pour la jeune promotion? Comme les ténors, pas que non. Quand ils sont un son, ça passe partout, toute la foule écoute. Qui d'autre, bro? Même Carbon n'a dit. Non, mais bon, attends un peu. Chante un peu, on comprend. Obananga, nanga, obananga, nanga, je suis pas maudit, je suis pas maudit. Eh, grand frère. Ah, donc avec ça, il peut faire la tournée européenne. Bolo, bolo, là-bas, au moins, il y a un message. Il demande de travailler. Ah bon? C'est la famille, c'est normal de soutenir le frère. Langezout. Et qui? Ce langa est un artiste, ça. Langezout. Dégage là-bas devant moi. 9 mois de souffrance dans mon ventre. Pour devenir ça. Je te dis que 9 mois perdus. 9 mois dans l'eau. Il y a l'autre aussi, Chris M. C'est 73. Elle chante comment? Qui croira? Qui croira, verra?
Et le message, c'est quoi? C'est pour dire aux gens que ceux qui sont pressés là, doucement, la vie, c'est mon chacun a sa chance sur cette terre. Est-ce que toi-même, tu mets ces conseils en pratique alors? Mais tout quand ils sortent, les mauvais maris, dernièrement, quand ils étaient au Gabon. Au Congo ou au Gabon? Dernièrement, quand ils étaient au Congo, ça veut dire que c'est double cible. Moi, vas-y, je suis au Gabon. Ça sort que j'ai reçu 45 millions. Waouh, pourquoi les gens aiment ça le nom de mon petit, si comme ça? Une histoire que je ne connais ni la tête ni la queue. Pourquoi ils te font même ça, non, mon petit? Quand l'affaire est sortie là-bas, au cours, je suis l'un des premiers et des seuls d'ailleurs qui ont demandé justice pour faire matiner Zogo. J'ai point. Le petit s'y pleure trop depuis, mon frère. Dis-nous comment tu as fait pour que son nom se retrouve dans ta liste là. Steve Fan, mes chers influenceurs, est donc celui-là qui, bien sûr, est parti proposer vos noms. Et de l'argent, comment on devait vous payer? Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? Allez demander à Steve Fa et aussi demander à Piccolo que vous ne pouvez pas voir. Pourquoi votre nom se retrouve là-bas? Hein, papa? Pourquoi? Il n'est pas arrivé là par hasard. Ça veut dire quoi? Peut-être parce que vous avez des acquaintances. Ça dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Peut-être parce que vous avez des acquaintances. Vous comprenez dans la compréhension? Voilà! Je savais. Si la vidéo t'a intéressé, partage pour m'encourager. Et si tu es nouveau sur la chaîne, mon frère, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Excellente journée ou excellente soirée, en fonction de là où vous êtes. C'était le général Franco. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.